Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Nous Connecter. Bienvenue Philippe sur Nous Connecter à ce jeudi soir. Merci de l'invitation. Mais oui. Et moi, j'aimerais dire tout le monde qui était là avec nous depuis un petit moment déjà, nous très contents que nous t'aies avec nous. Nous allons déraper l'émission directement là. Je nous connais le jeudi soir à 7h30, tous les jeudis soirs à partir de ici, en Port-au-Prince, Haïti. Nous avons une émission ça, hein, qui est Nous Connecter, que madame moi avec moi, madame moi Béatrice Gettins Gonzalez, avec moi-même Gilbert Gonzalez, qui c'est des coups de... Faut préciser pour les gens. Pardon? Faut préciser qu'il faut aller sur Facebook sur Nous Connecter. Oui, justement. Oui, c'est ça, j'étais en train de chercher le lien pour être sûr que je donc, nous profiter de tout le monde qui t'a aimé inviter des amis ou n'importe qui ça, c'est le moment pour partager le lien, pour y aller sous soit page Nous Connecter et sous Facebook, il y a besoin en live ou bien on va joindre en live également sous page Mind Valley Haïti que il y a capable monter et Philippe ou gagne également le choix pour partager sous page par de manière à ce que tous tes amis pour eux capable joindre opportunité pour monter en live. Bon, vous pouvez partager sous page Facebook déjà. Pas de problème, on continue moi puisque nous pas faire introduction là. Et puis donc, live là ba nous opportunité pour nous share li tout donc nous gagne droit share li avec zami nous gagne à faire un watch party tout côté nous regarder en même temps zami nous yo donc m'invitez nous utiliser toute technologie ça que nous gagne apporter nous parce que technologie permet nous connecter tout donc on nous utiliser la bonne chose et comme nous connaît et ça fait déjà jeudi en 7e émission nous connecter 7e édition nous connecter jeudi en 28 mai. Et nous parlons d'un thème très intéressant aujourd'hui, qui c'est le Reiki, qui c'est un type de soin énergétique. Nous connecter, c'est un programme que nous avons décidé de monter, Béa avec moi, depuis quelque temps, parce que nous avons vu qu'il y a une nécessité pour nous partager avec la communauté haïtienne, nous, hein, des petits causés sous question bien-être, bien-être physique, bien-être mental, bien-être émotionnel, bien-être spirituel. Donc, chaque semaine, nous allons mener sur le plateau à des experts d'Haïti, que au local, c'est-à-dire que vous vivez ici ou que c'est des membres de diaspora, nous allons mener là pour parler et pour partager avec la communauté haïtienne et expertise en un sens. Donc, aujourd'hui, nous allons bien Philippe Dodor avec nous sous question Reiki. Alors, Philippe, c'est beaucoup d'introduction formelle dans ça, mais nous avons quand même bon petit chance pour dire bonsoir à tout le monde qui est déjà là. Bon, j'ai l'impression que nous avons un problème d'Internet parce que nous avons la pluie. Donc, nous avons perdu le signal là. Hein? En tout cas, moi, je suis bien, moi, je suis clair. Donc, je suppose que c'est le cas également pour l'auditoire. Hein? Donc, Philippe, nous allons parler un petit peu de Reiki dans quelques minutes. Map quand même dit bonsoir, map dit ou et souvle dit tout le monde un petit bonsoir avant que nous démarrions officiellement. Et map dit tout le monde bonsoir, moi salue yo avec un pile d'amour, un pile de lumière. Voilà. Qui se force avec énergie Reiki. Super, super. Donc, alors, la kounya là, en général, et nous toujours commencer émission avec yon petit exercice que Béa mène pour nous. Alors, ma profite dit que à soir là, nan mitan deux requistes, parce que madame moi, c'est un advanced practitioner, Philippe, son maître Reiki. Donc là, vraiment, moi-même, je suis en train de prendre toute l'énergie, dans tous les sens. Je me sens 10 hommes là, Philippe. Donc, je vais quitter le plateau pour Béa, qui est toujours un petit exercice qu'il fait avec tout le monde qui suit nous, pour mettre nous dans le bain. Alors, bonsoir tout le monde. Et nous, toujours connaissons que moi-même, nous toujours aimons commencer un petit exercice pour nous connecter avec tête nous. Nous sommes connectés avec la lumière qui est de nous, avec l'essence même de qui nous sommes. OK? Donc, nous allons commencer par un petit exercice de respiration qui va permettre nous pour nous reconnecter à la tête, nous, qui va permettre nous calmer, nous, qui va permettre nous laguer tout stress que nous avons gagné pendant la journée, pendant le début de la semaine. Là. OK? Donc, nous mettons-nous à l'aise dans une position confortable. On va inviter nous fermer les yeux nous. Si nous plutôt nous mettre mes nous sous cœur nous ou bien nous mettre quitter mes nous sous genou nous, je nous sentir nous à l'aise. OK? Mais nous pas faire des inspirations profondes et songer que j'ai expliqué nous que n'a fait inspiration. Nous n'a
inspirer nous rentrer l'air faut nous gonfler ventre nous OK nous rentrer l'air là nous pas quitter le poumon nous faire rentrer jusqu'à dans ventre nous nous kembel et puis après ça n'a expiré n'a lagué l'air là et là nous lagué faut nous rentrer ventre nous pour faire nombrit nous toucher avec donne c'est comme ça n'a expiré tout air là OK donc nous pral faire ça nous pral faire 5 5 5 jodi nous pral inspirer pour 5 nous pral kembel pour 5 nous pral quitter l'aller pour 5 OK donc on a inspiré 2 3 4 5 n'a kembeli 2 3 4 5 et kounya n'a expiré 2 3 4 5 son genoubri n'a touché do n'a inspiré 2 3 4 5 n'a kembeli 3 4 5 n'a lagueli 2 3 4 5 encore n'a inspiré 2 3 4 5 n'a kembeli 2 3 4 5 et n'a expiré n'a plagueli 2 3 4 5 merci qu'on y a inspiré profondément sans compter n'a kembeli et puis n'a plagueli n'a inspiré profondément n'a kembeli et n'a plagué lié là nous lagué lié on senti tout corps nous cap lagué cap détendre n'a inspiré encore profondément n'a kembeli n'a plagué lié et kounya nous mettre reprendre rythme de respiration normal nous jodiam vle n'aller dans niveau cœur nous et pendant nous dans cœur nous n'a pas imaginé un monde que nous aimer en pile ou bien côté nous qu'on aller nous sentir nous bien imaginons un bagage qui générer l'amour dans cœur ou et qui générer bien-être général ou prendre imaginer qu'au côté ça ou bon prendre imaginer que monde ça pour aimer en pile devant ou. Ou quitter sentiment l'amour ça envahit tout cœur ou mettre bail l'amour ça en couleur souvlée et kounya ou prend senti l'amour ça nous pral voyer aller dans tout corps nous n'a voyer l'air en bas sous côté à droite à gauche devant derrière comme si son gros boule soleil cap irradié de cœur et puis ou va retrouver tout corps dans mitan boule lumière ça boule lumière l'amour inspirez profondément expirez et kounya pendant dans boule lumière l'amour ça imaginez que l'amour ça à lumière ça gal dans toute cellule qui dans corps dans tout organe dans tout système et lumière ça a gain pouvoir pour régénérer toute cellule tout système inspirez profondément expirez sous ça tu gagne un confort quelque côté voyez lumière ça quand tu senti un confort là quand tu senti une douleur ou angoisse voyez lumière ça à côté ça n'a inspirez profondément à nouveau n'a pas expiré pour n'y a quoi bien dans l'amour ça à dans lumière ça mais faut penser à un bagage que vous connaissez pour lui un bagage que gain gratitude pour lui dans la vie aujourd'hui mettre penser en bail de vous-même un bail de famille un bail de la caillou premier ça qui vient dans tête que vous appréciez que gain reconnaissance pour lui
pensé à lui. Kounya, nous parlons penser à un bagage que nous avons reconnaissance pour pays noir, pour terre d'Haïti. Un bagage que nous apprécions en Haïti, que nous aimons en Haïti. Pensez à un bagage ça. Et sentir connecté à un bagage ça. Il t'a mis au paysage, il t'a mis des mondes, quel que soit sa lien. Quitter l'amour ça. Non seulement envahit cœur, mais envahit espace. Inspirez profondément. Expirez. Et kounya, sentiko connecté à tout le monde qui sous Chanel sa soya, qui a suivi mission sa avec nous. Et même monde qui a suivi après. Senti qu'on connecté avec eux et qu'on a autorisé l'amour ça voyager et atteindre que l'autre monde. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément à nouveau. Expirez. Et une dernière fois, on a inspiré profondément. Et puis, on a expiré. À quatre, nous allons ouvrir les yeux. Nous allons sentir bien dans la peau. Nous allons sentir en paix avec nous-mêmes. En paix avec la tête. Nous. Et nous allons sentir que nous sommes entourés de l'amour. Un, deux, à quatre. N'a plus ouvert les yeux, nous sentons en paix avec nous-mêmes, sentons en harmonie avec le pays, nous, avec frère action, nous. Trois et quatre. Lorsque vous sentez pareil, vous mettez plus les yeux. Merci tout le monde. Merci, chérie. Alors, j'espère que tout le monde a une bonne expérience. Nous toujours aimé faire ça parce que. Il met tout le monde un petit peu dans le bain et puis il ouvert que nous, il ouvert l'esprit nous. Et particulièrement dans l'exercice ça que nous sommes faire là, côté que Béa saute faire nous connecter avec que nous, connecter avec lumière ça que nous gagnons dans nous et que nous connecter avec l'universel là. Je crois que en grande partie ça tout ramène nous dans un aspect de qui ça qui est. Côté que Jean-Philippe te dit nous dans l'introduction hier là. Reiki pral connecter nous avec en énergie, avec en lumière et avec en essence spirituelle qui pral connecter avec énergie vitale. Nous. Donc, il pral ben nous plus de détails. Mais en partie, le que Béa fait exercice que lui fait là, c'est déjà en introduction à sujet nous pral parler à Soya avec un monde très spécial. Philippe Dodin, c'est un artiste que. Enfin, son monde que la plupart de monde en Haïti connaît comme un artiste. Donc, m'bral bay description, m'bral bay introduction formelle de Philippe, parce que nous croyons que tout le monde connaît Philippe plus dans n'a regardé œuvre de qui d'aide de Philippe là. C'est ça qui pour moi-même premier symbole de Philippe. Mais là, nous venons apprendre à côté de ça, côté ça de lui-même qui sait que ils sont maître Reiki. C'est très important que nous capables connaître que tous deux côtés existent. Donc, nous avons un petit aperçu et une introduction formelle. Donc, Philippe Dodin a fait en Haïti en 1954 et l'a considéré que c'est un fait que l'art est venu entrer dans la ville depuis la naissance. Parce que en 1969, côté que l'IT était tout jeune, c'est là ça que l'IT était déjà très intéressé dans la question art. Et à côté des artistes, comme Jean-Claude Gaout, Tiga, et puis Patrick Villers, avec Frido, fondateur de l'école Potomitan, c'est là que l'IT est rentré dans la question rotation artistique et que l'IT est initié dans la méthode ça, et méthode 4 étapes 1, artisanat, développement, compétence et la science. Donc, fondation académique complémentaire l'IFER, dans l'Académie des Beaux-Arts de Port-au-Prince en 1973, à Port-au-Prince, et dans l'École internationale dans Bordeaux, la France, dans l'année 1975, côté l'IT étudié dessin graphique et pédagogique.
Mais contrairement à un pile d'un contemporain lieu, lui-même était allé directement dans la création artistique, et qui eux-mêmes allé directement dans la création artistique. Philippe lui-même était engagé dans l'autre chemin pour connaissance plus fond dans la question être humain, dans la question monde, dans un niveau spirituel, et il était essayé de joindre bagaille ça dans la question ashram yoga, pris par Lou en 1976 dans tête monde de Port-au-Prince. Maintenant, et ça pour nous connaître tout, c'est que Philippe dit que il découvrit Reiki en 2001 grâce à celui qui était fait rencontrer avec un maître Reiki qui est le Bernadette Amazon, Aïcha, et il était participé à yon qui était venu faire participer à yon yon séance, etc. Côté que n'a quitté Philippe by tout détail sur parti ça parce que c'est expérience directement li, mais ça capable dire c'est que après ça il était vraiment prend goût dans ça parce que il était venu apprendre que Reiki c'est une forme de soin côté que il capable by tête ni soin et il était gain difficulté gérer diabète li et c'est comme ça que il était venu plus intéressé là-dedans et il était venu ouais force Reiki il était ouais une opportunité pour découvrir belle histoire Reiki méthode thérapie alternative avec traitement physique, émotionnel et mental. Et c'est comme ça que lui rentre dans Reiki, lui fait premier diplôme, deuxième, lui fait premier niveau, deuxième niveau immédiatement. Et ensuite, lui commence à pratiquer sous tête, lui, et pratiquer sous des amis. Maintenant, à partir de ça, lui vient plus intéressé toujours. Et c'est comme ça que plus devant, lui vient en 2014, vient diplômé comme un maître Reiki. En 2015-2016, il était organisé en semaine formation avec des amis, Alix Auguste, qui de nos jours quitte nous, et Viviane Hogenborn avec Geneviève Auguste. Donc, et en 2018, il était participé dans Zen Haïti comme un présentateur. Donc, je dis là, Philippe, nous très contents de vous avoir. Nous allons parler à ce de Reiki. Nous disons bonsoir et bienvenue dans Nous Connecter, Philippe. Merci, merci Gilbert, merci Béatrice. Alors, merci Philippe, on va nous charger. Bon, il y a un pile bagaille. Ah oui, moi, j'ai quitté ton paquet de bagaille deux, oui, là, comme si. Donc, c'est quoi, écoute, c'est qui est important. Qui est important, oui. Bien sûr, bien sûr. Bon, il y a un bagaille qui est important, m'a corrigé le nom, et Bernadette et Amazon, c'est Ishaya. Ah, ok, Ishaya. Désolé. C'est lui-même qui était vraiment introduit le Reiki en Haïti le plus. Okay. On ne peut pas dire l'autre, mais qui était passé avant, mais c'est lui-même qui vraiment a initié plus d'une centaine de personnes en Haïti, qui quittait plusieurs maîtres qui en Haïti, et que nous-mêmes, nous venons faire des séminaires après. Et il faut me dire que maîtrise, mais c'est en 2004 que je me déprends, ce n'est pas en 2014. Ah! Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, pour me parler de Reiki, je vais ajouter tout que je suis directeur général de l'École nationale des arts, donc, qui fait partie de carrière artistique, moi, parce que l'éducation, pour moi, est extrêmement important. Donc, je souhaitais que Reiki soit introduit même dans l'enseignement de l'école, parce que je pensais que c'est une telle opportunité que chaque monde gagne. Que c'est dommage que nous ne sommes pas capables de faire toutes jeunes profiter de ça et tout le monde de manière générale profiter de connaissances ça. Parce que depuis que on a un corps physique pour respirer, donc ça veut dire qu'on a une possibilité pour pratiquer Reiki. Donc, qui gens que, bah, dis-nous d'abord qui ça Reiki a eu, qui gens viennent découvrir lui. Je mets des lunettes, mais je suis capable de boire bien. Mais oui. Vous pouvez parler de Tikal plus fort, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est. Comme grand Milab, peut-être c'est nous-mêmes qui partons bien, mais de toute façon. Je vais parler plus près du micro. Voilà. Merci. Donc, j'ai déjà pratiqué yoga, j'ai dit noam, j'ai pratiqué douin, réflexologie, parce que j'étais toujours intéressé dans la science médecine douce depuis l'âme de petit. Depuis le monde de Conra, les mêmes des petits, ça et le biscuit tout tombé, etc. J'ai vraiment une admiration pour les connaissances et, ancestrales ça, que nous avons dans la culture populaire. Nous, hein? Et même dans le monde de Vaudoua, les connaissances des feuilles, les connaissances des méthodes de guérison naturelle. Et c'est ça qui me mène vraiment vers l'intérêt et connaissances ça.
Donc, là, c'est Monique qui vraiment motivé pour me faire équipe. Je me dis, Monique, je suis déjà tellement fait bagarre déjà, donc on le bagarre en plus. Parce que je ne peux pas comprendre faire équipe, vraiment. Et c'est peut-être tout, ouais. Parce que c'est là que je vais découvrir qui richesse qui est dans la donnée, dans la connaissance ça, et qui facilite tout. À qui facilite, on va pas là. Donc, Reiki est d'abord formé avec deux mots, ça, sur science japonaise liée. Bon, je peux dire qu'il a été vulgarisé au Japon par Mikao Usui, docteur Mikao Usui, qui lui-même fait un pile recherche sur ça, parce que avant même que le Reiki, son docteur que le il a étudié psychologie tout, il a fait plus de travail dans le secteur privé, etc. Il a cherché. Et c'est un conférencier qui a travaillé pour la santé publique dans le pays de Paris. Et non, c'est un qui est très religieux. Et dans fait conférence, il a posé la question. Il a demandé un challenge. On a parlé du challenge. Il a demandé un challenge. Il a dit, docteur Usui, on va parler des miracles du Christ, que Jésus-Christ a fait sur le monde, sur le monde qui a guéri les malades, etc. Il a levé Lazare. Et il a fait un paquet de miracles, tout le temps parlé de ça. Bon, est-ce que vous-même, comme scientifique, ou capable bon une explication sur miracle ça qui genre était qu'on fait scientifiquement parce que nous avons une compréhension de ça. Il dit probablement répondre moi pas une réponse pour nous même pour maintenant que on va chercher. C'est là ça Mikao Usui commencer à faire recherche, il décide pas étudier théologie. OK, bon, première étape. C'est grand pile dans mais là. Oui, il passait 5 ans à étudier théologie, pas une réponse là. Il changeait à l'étudier théosophie et il partit jusqu'aux États-Unis, là, dans la plus grande université de Gagne. Il passait presque de 15 ans à faire recherche jusqu'à ce que j'ai retourné en Inde. Il a tourné dans le yoga qu'on y a, il a étudié tout le bagage yoga, écriture yoga, Vedas, Upanishad, etc. Et M. Wek, il a étudié sanskrit tout. Ce sanskrit, c'est une langue qui est très ancienne et c'est la donne toute grande écriture. Et science yoga yo écrit. Et c'est dans chercher toujours, 15 ans passés, je ne sais pas si j'ai une réponse. Et entre-temps, il a accumulé en pile connaissance. Et sur la. Attention, a perdu le contact là. Et puis, finalement, il est arrivé là, chez des moines tibétains. C'est là, il est arrivé dans le monastère là. Je dis, monsieur, que vous-même, vous puissiez s'intéresser à la guérison de l'âme au lieu de la guérison du corps. Donc, je voyais, monsieur, qu'on y a à la bibliothèque, côté monsieur vraiment biégé, approfondir science sanskria, pour qu'on comprenne l'écriture, ça. Parce que déjà, même le langage là, très, très complexe. Et c'est là qu'il a découvert des écritures qui datent du Bouddha, depuis 3000 ans, qui parlait de Reiki, mais qui parlent de tout secret, parce que. Vous connaissez que l'initiation, c'est un bagage qui passe à l'oral, surtout pour les choses les plus secrètes. Donc, il n'y a pas quitté des témoignages écrits. Donc, à partir de connaissances que M. prend, c'est le sens que M. décide de monter dans les mônes et pour la pratiquer pour méditation, près de 21 jours de jeûne, de méditation très, très approfondie. Et c'est là qu'on y a une révélation. C'est comme un ado que la lumière atteint monsieur, descend sous lui et monsieur joue une révélation science requia. Et c'est à partir de là, monsieur commence à méditer, à pratiquer, à expérimenter la lumière ça avec énergie ça rentre sous lui. Hein? Parce que je ne vais pas expliquer dans sa requia, ça veut dire ré, qui veut dire énergie. Qui veut dire énergie, et ré, c'est maintenant la force universelle. C'est l'énergie universelle maintenant qui aide tout l'univers en mouvement et en équilibre. Et c'est lui-même qui a l'énergie amnoto et dans la matière. Donc, c'est deux énergies, ça y est, énergie universelle là, plus ça y est, les forces vitales là qui est. Donc, qui en, c'est même genre avec chi dans Tai Chi ou bien dans Chi Gong, c'est même chi en qui. C'est même qui. Okay? Très bien. Alors, Philippe,
m'ta do di que le tal est sous une montagne et que c'est là une révélation. Dans biome moi ouais pour tal sous montagne photo princier de parler ou font parler sous ça pour dire nous sortez ouais. C'est une révélation tout. Bon, et ça n'a pas retourné dans les années 75 pour bon groupe qui est entré ici. Et d'ailleurs, c'est une première fois qu'on entend des mots gourou en Haïti. Donc, on va parler de yogi. Maintenant, c'est un yogi et un gourou qui est entré Yogananda. Pas Yogananda, mais on va dire comme ça. Ou Swami qui est entré à l'époque de India Palace en Haïti. Par contre, si nous songeons India Palace. Ok. Mais il était qu'on vend indien, etc. Sari, tout ça qui était concerné l'art indien et la culture indienne. Et Swami, ça était qu'on rentre chaque année, etc. Qu'on fait des conférences. Même pas tellement intéressé de ça. Là, qu'on y a, il vient présenter mes gourous Kripalu. Enfin, le disciple de Guru Kripalu, dans ce haïtien qui était vivant pendant 15 ans en l'Himalaya, il y a le Munishri Subhadarshan, donc c'est docteur Lotio Massac. Et ça qui était frappé surtout, c'est que c'était un gourou qui était venu de lignée des yogis qui sont ce qu'on appelle les yogis authentiques, que les yogis au corps divin. Donc, ça, c'est l'autre bagage, c'est l'autre débat. C'est l'autre émission. Et c'est comme ça que je suis intéressé dans le yoga. Moi, décidé que je vais étudier le yoga à plus haut niveau. Donc, moi, je viens habiter dans l'ashram, je viens construire l'ashram pendant 5 ans. C'est là que je viens apprendre la construction, et que je viens apprendre la théorie, etc. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Vraiment, c'est vrai. Hein? Donc, c'est l'une qui mène l'autre. Oui. Et puis, on a toujours un bagage pour apprendre de l'autre tout. Même pas qu'on a fait étude du tout. Hein. Mais pas, même là, je viens de découvrir, ça a les Shaktipat Yoga, côté que tu as une énergie extraordinaire que on vient de travailler avec lui. C'est lui-même qui vient rentrer dans Kundalini Yoga. Uh-huh. Et c'est là que je viens de comprendre toute l'énergie qui est dans vos doigts. Donc, c'est après que finalement, religion, c'est un bagage, mais on y a pas de spiritualité. Spiritualité, énergie, c'est même énergie qu'on a besoin dans toutes les cultures. Tout. Exact. On a parlé d'énergie universelle, mais c'est ça lié. C'est ça. Donc, on y a l'homme qui vient découvrir qui. Donc, je me parle de noir, nous parle de qui, nous parle de Ray. Et premier bagage qu'on apprend à faire, on apprend connecté à l'énergie universelle, ça. Ok, ça est l'enracinement. Parce que tout à l'heure, Béatrice fait une très belle introduction de méditation. Même capable de dire, Béatrice, que si nous ajoutons enracinement, le ça a la complète net. Ok? La prochaine fois, on va partir d'avant ensemble pour que nous apprenions et tout le monde fait enracinement, ça. Et enracinement, ça, c'est un bagage que normalement, que les hommes, dans les années passé, les premiers hommes qui gagnent déjà la corde, okay? Les Atlantes, etc. Mais nous venons perdu la mémoire cellulaire, non? Et bon, disons que nous n'avons pas perdu. Il était dans la mémoire cellulaire, mais il n'est pas réveillé. Donc, rôle initiation Reiki, hein? Parce que pour qui ça pour initier, pour pratiquer Reiki, hein? Donc, il y a un livre qui parle de Reiki. Mais ce n'est pas aux sciences qu'on est capable d'étudier dans le livre. C'est quand vous voulez, par exemple, ou vers VR, ou capable de dessiner vers VR, mais ou capable de ne pas servir et avec, ou pas faire porter énergie. Oui, il faut expérimenter. Non, ce n'est pas pour expérimenter. Non, il faut que l'on ait la mémoire, c'est l'on n'est pas. OK. Tu vois? Donc, c'est là que le rôle de l'initiation. L'initiation, d'abord, prépare spirituellement, parce que il y a des règles pour observer. Et pour vous apprendre à respecter et apprendre règles ça, ou apprendre à contrôler la colère, par exemple, ce qu'on appelle les 5 règles du Reiki, ou apprendre à contrôler la peur, ou apprendre à venir bien servir de gratitude,
apprendre bon respect des autres, parce que autour toujours un bagage pour apprendre de l'autre monde, ok, et pas seulement de l'autre monde, de n'importe qui bagage que il a objet pour ramasser à terre ou petit roche un bagage pour apprendre de lui, et puis apprendre à travailler honnêtement, parce que l'autre travaille honnêtement, donc c'est ou bien ton exemple que ou capable de bailler pour tout le monde. Mm-hmm. Et puis d'abord commencer à apprendre à purifier tes autres. Purifier le corps dans qui sont mangés, et pas fumer cigarette, réduire l'alcool, si tu es abusé d'alcool, etc. Pour une discipline de vie, pour que vous soyez capable de gérer la santé. Parce que si vous voulez bailler l'autre monde santé, vous commencez par gérer la santé. Ah, exactement. Vous ne pouvez pas guérir l'autre monde. Le premier bar qui t'intéresse, c'est que je vais sur la technique de auto-guérison. D'abord. Si auto-guérison, je souffre de diabète, je prends un médicament pour la forme, donc je vais aller pour ça. Donc, je viens de découvrir Rekia, la première initiation passe très bien. Je viens d'apprendre, et dans Rekia, à partir de la deuxième initiation, je viens d'apprendre, ça relève le symbole du Rekia. Le symbole, c'est eux-mêmes qui véhicule énergie. Énergie a existé, ok, on vient apprendre à connecter avec dès le premier niveau. Donc, dès le premier niveau, on est capable d'apprendre à connecter et apprendre à transmettre l'énergie. Et on senti l'énergie a sorti dans la main. Ok, je t'ai parlé de cœur. Ok, que l'énergie arrive dans le cœur, on essaie de cœur, on vient transmettre l'énergie par les mains. Et ce sont des impositions des mains. Ou qu'à transmettre l'énergie à tout par le regard, ok, et par le souffle. Okay. Donc, c'est trois techniques ça, que Mikao Osori t'es pratiqué. Alors, Philippe, excusez-moi, m'interrompre, c'est juste pour nous faire une petite clarification pour l'auditeur, parce que souvent, il y a une pose une question. Ça, si nous faisons une session qui est avec Philippe, ce n'est pas énergie pâle que là-bas, nous. Oui. Philippe bah, oui, servit de conduit pour énergie qu'on a besoin de recevoir. Donc, juste les fonds parenthèses. Oui, écoute, abonne-nous plus de détails sur ça. Ou bien, si on a fonds de parler sur ça, parce que souvent, on pense que c'est énergie power. Oui. Donc, nous parlons sur ça. D'ailleurs, avant même qu'on commence à pratiquer oui, sur l'autre monde, on commence d'abord à pratiquer sur nous-mêmes. On fait des exercices de pratique pendant séance d'initiation pour comprendre pour faire imposition main parce que qui gens pour comprendre structure corps, OK, parce que dans corps ou gain ça les colonnes vertébrales à travers colonnes vertébrales ou gain ça les chakras. Chakras ce sont des centres d'énergie qui contrôlent chaque zone dans corps. OK, si nous prenons par exemple centre gorge là ou bien centre cœur ici. Là, ça contrôle les émotions. Mm-hmm. Donc, on y explique, on traite au monde qui a un problème émotionnel, donc on va plus travailler sur le chakra de la gorge, ou bien le chakra, ou bien le chakra, okay. Anahat chakra. Donc, et là, on y a un chakra de la vision, le troisième œil, et puis, le chakra de la couronne, qui c'est ça, soit chakra, donc il y a pour sorte de entonnoir qui opère en ça. Donc, l'on recevoir l'énergie qui saute dans le corps, descend là, et puis descend le nombre de colonnes vertébrales pour aller dans le cœur. C'est là où on discute par les mains. Okay. Mais parce que tout est lié. Que pour faire lié, ce n'est pas seulement l'énergie qui saute en haut seulement, mais c'est surtout l'énergie qui va aller dans le pied haut quand pour racine. Descendre de la terre. Le pied haut, il faut rentrer dans la terre quand pour racine. C'est là tout que nous avons étudié, que j'en plante au vivre et que j'en plante au transport énergétique. Alors, je dis rapidement que yon bagay que m'te apprenn également, c'est que yon nan déconnexion que la race humaine vin gen, c'est depuis l'invention de semelle caoutchouc, semelle plastique, semelle baisa, parce que yon dit que jusqu'à ce que nous avons utilisé cuir, malgré tout, par contre, si c'est vrai, mais on dit que vraiment, pique au déconnexion, hein. C'est à partir du moment où on a venu porter des semelles qui a fait des chaussures qui coupaient connexion, qui coupaient connexion okay. Entièrement. Vrai ou faux, Philippe, qui sont passés de ça ou même? Bon, et moi, il faut parce que même si nous avions, on n'a pas connecté.
OK, donc ça veut dire que qui n'a pas besoin de toucher terre. Je crois que tout travail là d'abord, c'est un travail qui est mental. Très bien. Donc, parce que ça, les racines psychiques, il y a pas une distance que je ne peux. OK, donc, je suis capable là, quand il y a de l'âme, je vais dans la frontière. Bon, même si je suis là, mon parachute, je suis connecté, je vais dans la frontière. Tout. Très bien. Une okay. fois que qu'on est fixé mentalement sur le cosmos, on va arriver le plus loin possible dans le cosmos. Donc là, il n'y a pas de barrière matérielle parce que le pouvoir psychique nous est dépassé tout ça. Il est illimité. Okay. Donc, nous dit que en fait, ce n'est pas énergie panne que nous transmettons, ce n'est pas énergie panne. Le premier bail que nous faisons en tant que d'ailleurs, serviteur, on va dire, ou bien coefficient, qui a transmettre l'énergie, parce que je ne sais pas, il y aurait des noms maîtres, parce que automatiquement, ça va gonfler l'ego. Donc, automatiquement, quoi fait au séance de réti, au serviteur, quand vous voyez, il y aurait le serviteur dans vos droits, mais c'est le même bagage, parce que aussi au lien entre les forces supérieures, ou bien les maîtres ascensionnés, oui. Et la personne qui reçoit. Maintenant, la personne, mon capable de recevoir physiquement, ok, côté mon couché, ok, d'abord sur le dos, sur une table de massage, mais ce n'est pas des massages comme les massages ordinaires. Mm-hmm. Donc, la personne peut capable de couvrir avec un drap, pas besoin de contact direct avec le corps, et qu'on y a un toucher très très léger qui fait sur les différentes parties du corps. Donc, avant même qu'on commence, on fait une sorte de nettoyage énergétique sur toute commune pour nettoyer aura, parce que aura, l'on sorti dehors, l'on rencontre le monde à droite à gauche, on va parler, mais on accumule toute qualité de vibration, ça a les mauvaises vibrations, bonnes vibrations. Et ça a des vibrations, c'est ça que l'autre monde ou bien l'autre environnement est capable de transmettre. Ou quand on trop compté ou dire regardez que j'en me sentir bien mais quand il rencontre ou l'autre monde automatiquement on sentir pour stresser mais accumulation tout stress ça non journée surtout actuellement on a vu nos périodes d'insécurité qui certaines donc plus gros problème que nous gagne au niveau de la population au niveau des familles au niveau de professionnels au niveau de jeunes étudiants. Les jeunes qui finissent diplômés, qui ont cherché qui savait quoi faire. Donc, il y a un gros problème de stress. Un stress collectif. Exactement. Donc, on y est là, ou pas forcé en Reiki, qui a une séance collective, tout, parce que nous avons parlé tout à l'heure de Reiki à distance. OK. Donc, premier bail qu'on fait, on demande au grand maître là, ou bien au maître choisi, OK, parce qu'il y a beaucoup de maîtres ascensionnés. Donc, on est capable de travailler avec une ou bien plusieurs, et suivant le travail qu'on va faire, ou demander que l'accepter comme canal. Parce que, en fait, ce canal qu'on tourne, et puis on va puiser l'énergie dans le cosmos là, et qu'on va codifier avec symbole, et on va ajouter au bagage extrêmement important, c'est intention. OK. Parce que, si pas gain intention énergie qu'on voit par la pensée pas gain force okay? Et même symbole là tout qu'on utiliser pour véhiculer énergie c'est intention qu'on met là dedans dit que gain intention guérir Jider ou bien Béa de tel ou tel problème mais il faut maintenant projeter cette intention. Est-ce que intention, alors m'a tout posé aux questions ça, Philippe, est-ce que intention, c'est seulement serviteur là, qui pour gagner ou bien est-ce que receveur là également ou mandel pour établir intention ça? Bon, je crois que même par humilité, une fois que le receveur là est accepté pour chez son table, ok, ça peut faire confiance. Parce que quand vous voyez comme si entre amis je dis ah mon cher je ne t'aime mon non il te travaille avec moi et puis finalement ça arrive déjà que par exemple moi nous il faut côté moi vous montre qui ont mal tête ou bien qui ont douleur et puis me dire est-ce que me caille d'eau ok d'ailleurs demander est-ce que me caille d'eau
Donc, si mon a dit oui, ou bien si mon a dit un accident, ça dérive naturellement le thème, dit je suis maître qui, est-ce que je peux aider mon ça, je peux trembler, et qui ont un traumatisme, et que je peux aider, mais il faut nous accepter. Mais il faut mon a dit ok, très bien. Il y a des gens qui sont sceptiques, et que les gens qui sont sceptiques, on y a ces résultats qui peuvent montrer. Réalité. Là, on a un docteur qui a parlé avec moi là, de Washington. Donc, m'a dit à l'hôpital. L'étendu. Mais m'a bon exemple au docteur qui était sceptique aujourd'hui à table et qui devait une douleur d'otite. Okay? Uh-huh. Très aiguë et qui a souffert et qui n'a pas de médicaments pour ça. Et puis, m'a parlé de Rekia. Et puis, je me dis, je ne sais pas si je suis un etc. Moi-même, je suis scientifique. Je me dis, monsieur, bon, je ne sais pas si la donner, mais et, humblement, je m'apporte au service moi, pour 5 minutes, 10 minutes. Et puis après, ça va dire, je suis passé. Donc, pas une imposition des mains okay, sur les oreilles. Et pendant 5 minutes, naturellement, je suis campé en position zazen, en position caractère. Et donc, on enracine des mains et puis nous transmettre l'énergie au niveau des oreilles. Et même pas, peut-être 7 minutes après, on a senti que l'énergie a passé, parce qu'à ce moment-là, on sentit lui. Et puis, mal chita, mais j'étais presque abdormi. Je me suis dit, OK, on va trouver le premier. Et puis, il m'a dit, c'est toi américain. Il dit, ah, I felt something. Et puis, douleur n'était pas assez vraiment. Je me suis dit, bon, et je vais faire recherche sur ça parce qu'effectivement, je me sens tout bagaille. Et des années plus tard, je me suis rencontré monsieur encore. Je me suis dit, ah, il était fait recherche sur les filles. Et que même l'université, à mes côtés de travail là, mon département qui fait des recherches sur ça, il est energy medicine. Tu vois? Donc, c'est parce que il y aurait que bien pile réponse que la médecine traditionnelle n'a pas côté. Et nous devons avoir l'occasion de travailler avec des médecins cardiologues, des médecins thérapeutes pour des gens qui étaient handicapés, ou bien qui étaient traumatisés, qui étaient handicapés après quelques fois de stroke. Et la collaboration, ça a été vraiment productif. Parce que nous voyons que c'est deux techniques, deux sciences qui sont complémentaires. D'ailleurs, il y a une qui porte au bagage scientifique et l'autre qui porte non seulement au apport énergétique que le corps a besoin, parce que l'homme est malade, le premier bagage qui vient dans le corps, c'est qu'on a un débalancement énergétique et au niveau même du cerveau, parce que on a un cerveau droit ou un cerveau gauche là. Donc, il y a une qui est très rationnelle, l'autre qui est très émotionnelle. Et au grand série de qui a des charges différentes. Et quand il y a le vin débalancé, il y a une part qui correspond à l'autre, c'est là où il y a un débalancement émotionnel et qui vient accentuer la maladie qui fait qu'on ne plus se sentir pas bien. Donc, ça permet de rétablir l'équilibre. Ça, qu'on est capable de dire, tu as parlé de l'énergie universelle. L'énergie universelle est une énergie intelligente. Parce que bénévolente, comment on dit ça? Bénévolente. Il est gratis, il est à portée de tout le monde. Oui, exact. Il est à portée de tout le monde, il est en quantité, okay, il est abondant, et puis il est gratis. Alors, Philippe, pour un monde qui est peut-être incrédule, parce qu'on connaît que quand même, même j'en avec Dr. Sao, qu'on est grand pile, monde qui vient de coûter là et qui peut-être pas très comprendre de qui énergie n'a parlé. Gonti, enfin, par contre, si vous peut-être vous pouvez guider mon pour faire ça, pour montrer aux gens qui sont capables de joindre peut-être même non, mais parce que Gabriel, on connaît que avant hier, on t'a parlé de Reiki, on l'autre exercice que nous avons fait dans Reiki. Et on t'a parlé d'enracinement. Et l'homme parlait d'imposition, parce que, pas oublier que Reba a dit que ce sont des techniques de auto-guérison.
OK? Donc, nous prenons un docteur qui travaille dans l'ORL, qui a coûté nous là. Par exemple, au monde qui a souffert de mal, qui est beaucoup capable de faire un docteur, mais par des positions, et demain, mais si vous êtes initié, ou bien vous avez un second lieu qui est à côté, capable de faire, mais douleur capable d'atténuer et même disparaître provisoirement. Okay? Parce que vous faut aller résoudre le problème là, vraiment. Donc, moi, je crois que tout médecin avisé, vous avez une ouverture d'esprit vers les sciences. De médecine alternative, quand vous avez Ayurveda chez les Chinois, par exemple. Oui, je t'écoute, Béa. Le fait qu'on mette deux mains en sous-bois figure, ça rappelle justement parce que moi, j'ai fait des études sur Energy Medicine, tout, et je dis que souvent, sans pas connaître, et non, moi, a toujours guidé vers des réflexes parce que nous gagnons énergie ça dans mais nous que nous canaliser, gardez-le nous pas même au courant et nous gon mal tête n'a mettez mais nous sous tête nous systématiquement n'a kembel ou bien ouais Philippe saute mettez au gon mal dans ou a kembel on quand même connaît pour qui ça c'est là on mettez mais subconscient connaît lui-même que c'est parce que l'homme était là ou a transmettre énergie ça pour besoin pour aider ou pour supporter. Donc c'est juste si par tel ça me devait faire. Moi j'ai un docteur capsule nous là. OK, donc pour y a seule différence qui gagne à comme on qui a visé au niveau requis à comme on qui fait spontanément par exemple au concours, OK? Ouais. Et maintenant on le requis avant même que me fait ça, même me connecter ma énergie. OK? Une fois que je connecte à l'énergie universelle, là, ce n'est pas même que je mette seulement, même pour tourner pour nous, il y a un canalisateur d'énergie. C'est ça. Avec intention. Avec intention et automatiquement, je me sens chaleur et capable de dégager de même. De même. La chaleur, comme lié, c'est chaleur énergie qui sort dans la terre, qui est l'énergie yin, énergie qui sort dans le soleil là. C'est énergie yang. Le problème du soleil, c'est parce que c'est à ce qui est près de nous, parce que ça parle de l'énergie universelle du cosmos. OK. D'accord? Donc, par contre, si nous avons une question. Oui. Il y a un monde qui s'est écrit là, est-ce que ça a soulagé les personnes anxieuses ou dépressives? Bon, voilà. Et Reiki n'a pas seulement travaillé sur des maladies physiques, mais sur des problèmes psychosomatiques et émotionnels. Nous avons parlé tout à l'heure de dépression, nous parlé de monde qui a des problèmes de coordination mentale, nous avons des problèmes de monde qui a anxiété, panique attaque, etc., etc., qui sont les conséquences de justement de débalancement émotionnel causé par des chocs, soit depuis la naissance, ou bien pendant l'enfance, ou bien un choc récent par un événement tel que tremblement de terre, ou bien perte de quelqu'un de très cher, ou bien accident de voiture, traumatisme, ou bien et autres. OK? Donc, premier bagage que l'officier Reiki a fait, maître Reiki a bien. C'est que quand on lui pose des questions, on vient engager aux conversations, comme pour psychologue t'as fait, ok? Okay. Et puis pour comprendre qu'on y a un côté traumatisme ça sorti, et nous t'as eu l'occasion de traiter au monde non séance de Reiki, qui était au sœur pendant même aux séances de groupe, qui tapait de tousser, et était même dérangé tout le monde. Nous avons une forte séance de méditation, mais tout le monde a toussé tout le temps, j'ai décidé pour tout, qui était très gras. Et nous avons finalement décidé, parce que comme on était très proche de Maître Pia, parce que même des apprentis net à l'époque, nous avons décidé que nous allons faire un travail spécial au monde, ça, parce que nous avons vu que ce n'est pas seulement au tout normal qu'il gagne. Et puis, donc, nous dit que des bons bagages qui psychologiques. Et finalement, on parle avec lui, il vient de dire que papa était mort, je vous fais plus. Et un an après, maman est mort, je vous fais plus encore. Wow. Depuis le temps,
il vient traumatisé et il pas qu'à quitter ni papa ni maman aller. Tu vois, donc dès que mon avis une presque du marché encore on était raide, ben il parlait pas qu'à parler normalement. Et nous venons prendre la main, nous faisons séance et collectif avec lui, avec trois personnes différentes qui travaillent sur social monde. Et ça qui passe pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Et ce monde qui vraiment en pile, bah, il sortit dans le colis, il crie en pile. Et là, la Kaeli, le lendemain, il paraît son nom. Donc, c'est après le week-end, il paraît dans lundi. Là, il fait cheveux, il habille aux autres gens, etc. Ah, mais Sébastien, là, et petit garçon, il dit, lit la tour. Effectivement. Sébastien et Doda, tu as à peine 15 ans de ça, et tu as choisi juste comme participant parce, à cause de son âge. Parce que un jeune adolescent, il y a une sorte de naïveté naturelle de la Caraïbe qui sont fausses. Parce que quand il y a une naïveté, ça, on canalise l'énergie à vivre. Donc, merci Jean-Sébastien. Nous t'ai apprécié vraiment la présence de ça. Et c'était extraordinaire. Et bien, voilà que mon nom tourne lundi, habillé, coiffé, l'habillé, bordé, qui sont mon transformé, et moi qui étais en beauté extraordinaire, et puis elle est venue remercier. Ah, donc, Sébastien dit ça, que jour ça, on a fait travail, ça a été un seul lap qui tombé, et puis un seul l'orage qui tombé au moment même, que l'énergie négative a sorti dans la fille. Bon, ça, c'était peut-être pour une chose. Mais il était ajouté en pile aspect dramatique. Ah ça. Oui, théâtral, pratiquement. En tout cas, tu as en pile l'orage là jusqu'à tout à l'heure. Donc, quelle est cette signature? Et puis, Max, je vais dire, Philippe, tu as un bagon sous comme ça, mais la caméra la frise, là, comment c'est fait bagay ça? Donc, par contre, c'est énergie actée trop pour le computer. Hein? Donc, vous connaissez. Très souvent, énergie et électronique qu'on ne parle pas, donc, pareil, les trois énergies à soi. Alors, non. Philippe, nous recevons un pile question là sur Facebook, ok? Il y a un monde qui demande si Reiki sont techniques, si c'est magie, si c'est spiritualité, ou bien si c'est ni une ni l'autre. Ça, Reiki est. Est-ce que vous avez dit c'est magie? Bon, et moi, dans quel sens on a dit magie, parce que je prends magie dans le sens péjoratif. Là, il dit magie, il y a des bagages maléfiques. N'oubliez que le Jésus était fait, c'est des rois mages, ok? Qui étaient des magiciens, ok? Qui pouvaient recevoir. Mais il y a magie blanche, il y a magie noire. Donc, magie, c'est quoi? C'est une manière de travailler avec les énergies spirituelles. Maintenant, ou capable de travailler avec les énergies spirituelles non intention maléfique, ou bien ou capable de choisir les intentions d'amour. Parce que l'amour attire l'amour, parce que les énergies maléfiques attirent la haine et la destruction. Donc, nous-mêmes, nous choisissons l'amour. Donc, tout ça l'a fait. D'ailleurs, on est capable de dire que le Reiki, c'est l'amour en énergie. Okay? Donc, c'est pas aussi comme dit spirituel, oui, mais pas forcément religieux. Vous mettez dans n'importe quelle religion et pratiquez Reiki. Vous n'avez pas de religion du tout et vous faites Reiki. Parce que Reiki a son énergie naturelle liée qui n'a encore où, parce que je dis que c'est force vitale. Donc, c'est rencontre force vitale avec énergie et énergie cosmique, là, énergie universelle. Donc, on y est à partir de là ou canaliser pour le bien-être de soi, peut-être, et pour le bien-être de l'autre monde. Pour le bien-être aux communautés, tout, et nous pouvons même parler de bien-être pour le pays. Si nous avons fait un travail collectif sur Haïti, l'autre jour, nous faisons méditation. Et pour ça, nous pouvons demander tout le monde canaliser des énergies positives vers le pays et dans la... pas seulement dans le pays au niveau physique, mais au niveau énergétique. Pour votre énergie, parce que ce n'est pas normal que nous avons tout mal à ça. Okay? Regardez-moi, hier soir, encore, 11 éclats tombés, mettez du feu, et Saint-Marc. Il y a trois problèmes déjà, et chaque jour, on a un problème en plus. Donc, moi, je crois que si nous mettons, nous canalisons l'énergie positive
pour nous commencer à penser aux autres gens. Mm. Et nous capables de travailler sur COVID-19 là, tout, avec et d'une manière énergétique tout. Parce que on a cultivé la peur et bien on a facilité et non seulement ça mais on a affecté le système immunitaire. Nous voilà là parce que deux points ça l'autre travail sur c'est le système immunitaire. Donc on va dormir le soir pour prendre position ça en respirant genre béadabdia et pour connecter au donc on y a une la baie tête au chaleur là et puis là ou après la papier zéro ou lâcher ces journées au fur et à mesure jusqu'à ce que vous rentrez dans le sommeil là parce que le sommeil là mais quoi que on va parler de lui c'est important c'est un devoir que nous gagnons envers tête nous c'est des gens qui disent que c'est des gens qui sont capables tant de même là qui dit que pas qu'à dormir parce que il prend une nuit là penser à tes problèmes. L'on pas dormi, on dit pas résoudre le problème. Non. Okay. Il a pas plus problème. Il a pas plus problème. C'est quand pour téléphone là sous pas plug il en charge là dès matin là sans charge. OK, donc le téléphone là il faut éteindre le pour pas répondre le téléphone encore, on plug il et pour le charge dès matin on prend il va un message là donne. Mais on pas dormi en gens. Dormir en son gens pour connecter au à énergie universelle là. Son repos que lié, mais c'est plus qu'au repos. Parce que seul au l'heure que vous n'y avez, vous rentrez dans le subconscient, vous dites que quand vous n'y avez, il y a un voyage personnel que vous faites, vous faites des rêves, vous n'avez pas un côté où aller, puis demain matin, vous allez. C'est un miracle, c'est un bel miracle. Okay? Et vous avez confiance que vous rentrez, vous allez dormir, demain matin, vous allez. Et bon, ça qui arrive, vous ne pas lever, vous dormir. Donc, ça, c'est votre problème. Mais dormir essentiel, pour alimenter le corps de l'autre énergie spirituelle. Oui, il y aurait parfois un sommeil réparateur. C'est justement parce qu'il répare. Absolument, ça lié. Et ça permet de cellules de tout, de ressourcer, et de renouveler la tête, etc. Donc, il y a un peu de changement qui fait bénéfiquement pour le corps, quand il y a des changements qui fait négativement pour le corps. Parce qu'on va dormir bien, on va lever à coup de bouton, on va tourner, on va plat avant. Okay? Donc, ça veut dire que c'est parce qu'on nettoyage pour faire notre système énergétique pour chaque jour. Donc, l'on pratique à chaque jour, c'est ça que permet de faire dans tout le méridien canalisé énergie vitale. Il peut permettre un système de défense qui est beaucoup plus fort. Même si on a des maladies déjà. Mais chaque jour, on fait un nettoyage énergétique sur le corps. Et qui va permettre qu'on y ait défendu plus bien, même contre des maladies infectieuses. Alors, Philippe, nous avons plusieurs questions. Donc la augmenté de plus en plus. Donc, nous pouvons nous adresser de toi dans le là. Il y a une question qui là, c'est qui sont les gens besoin pour lui apprendre Reiki? C'est-à-dire, est-ce que je vous dis, est-ce que Reiki pour tout le monde? Est-ce que n'importe qui est capable d'apprendre pour lui faire Reiki? Ok, qui me prend toute question, m'a répondu tout à l'heure. Ok, apprendre le Reiki, d'accord? Bon, bloqué. Okay. Là, on fait une séance Reiki, qui ça moun qui a pu se voir, qui a senti physiquement? Qui sensation qui a gagné? Okay. Et puis également, pour même qui a fait le Reiki pour le monde, quelle est la meilleure façon de se purifier après avoir donné une session de Reiki à quelqu'un? Donc, est-ce que vous même vous faites un nettoyage après? Ok, bonne question. Okay, donc, l'autre dernière question, est-ce qu'on peut assimiler le Reiki aux esprits guinéens qui cultivent le bien, l'amour, naturalisme universel? Mm-hmm. Ok, donc. Ok. Ok, la première question, nous dit apprendre le Reiki. Le premier bar que nous avons dit que le Reiki est une science qui est accessible à tous. Pour qui ça? Parce que si nous avons un corps humain, et ce avantage que nous avons sur les animaux, c'est que même il n'y a pas d'âme, je dis qu'il n'y a pas d'âme, etc. Mais il n'y a pas d'autre faculté et de structure, chaque race avec laquelle nous avons un corps, qui permettent que nous sommes capables de canaliser l'énergie universelle
que qu'on y peut passer par des chakras qui eux même qu'on y pral qui font conscience des transformateurs qui pral canaliser l'énergie. Supposez que les animaux il y a un système par tout parce que eux même tout eux ont des formes d'énergie universelle qui traversent tout. Mais qu'on y des mondes différents qui soient animaux tout. Non mais donc animal là tout les sont regardez par exemple deux lions ou bien regardez des petits chiens là qui ont des malades. Bon l'autre petit chien qui vient qui couchait sous lit qui a la chaleur, il sous forme de réticule bah tout. Mais avantage que qu'on y a que l'homme gagne sur les animaux, maintenant nous avons le pouvoir de raisonnement, etc. Mm-hmm. On l'autre évolution spirituelle plus avancée, tu comprends, qui permet de qu'on y a gain en plus aspect spirituel ça. Donc ça veut dire que tout le monde de pour son monde pour qu'un acteur parce que et même si mon est handicapé parce que nous dit que faut un pied pour enraciner même si mon est handicapé mais pour voir l'enracinement il gagne la carrière parce que instrument chakra non colle c'est ça et une fois que vous capable de penser à moins que qu'on ait un handicap mental qu'on ait un handicap plus difficile. Il est plus difficile parce que on a un minimum de raisonnement pour gagner, mais par contre, le Reiki peut aider des personnes atteintes de maladies mentales. Okay. Donc, on va dire que le Reiki est accessible à tous. À tous. Très bien. Okay. Donc, mais la seule chose, il faut passer par un maître Reiki pour vous initier au Reiki. Parce que ça, vous n'avez pas qu'à apprendre Reiki dans un livre pour compter. Donc, on va apprendre l'histoire qui, on va apprendre le principe qui, on va apprendre les différentes composantes du Reiki. Mais j'aime dire là, pour voir de passer l'énergie, il faut que vous passez par l'initiation. OK. D'accord? Et meilleure façon de se purifier après avoir donné une session. C'est une question qui fait plus à moun qu'à recevoir, sentir. Ah oui, exact. OK? Donc, au moun qui couche pour recevoir la séance de Reiki, d'ailleurs, vous mettez une salle qui est appropriée, une salle qui est propre, une salle que vous-même pouvez nettoyer énergétiquement, ok? Que pas gain aucune vibration négative dans cette salle-là. Vous mettez une musique appropriée, soit sur Apple Music ou bien sur n'importe, vous mettez Reiki Music, ou bien des formes de musique appropriées, okay? Bien spa music, c'est des musiques pour l'accent, pour que vous vous détachez, etc. Et déjà pour l'ambiance de réceptivité, donc on ne l'annonce pas pour un massage. Mm-hmm. On y a maintenant, on pose des questions pour qui ça a besoin de qui a, qui ça a gagné, qui problème il gagne au point de vue émotionnel, au point de vue physique. Donc par exemple, on va le traiter, il y a mal de dos. Okay? Donc on y a maintenant que on va le fixer sur la colonne vertébrale, sur les nerfs, etc. Mais quand on a un colonne vertébrale, il y a un problème qui arrive juste dans la jambe, juste dans l'autre vertèbre. Donc, ça veut dire que pratiquant Reiki, il y a plutôt fait une séance qui est globale. Okay. Surtout corps, parce que on connaît que dans la structure corps, squelette corps, etc., monsieur, circulation sang, tout bagage, il circule dans tout corps. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que corps, mais ça, c'est un peu tout relié, même si on a mal au seul côté. Mais masse a gagné les répercussions. Interconnecté. Interconnecté. Donc, l'offre séance complète. Donc, mon nom vient de sentir, pour me répondre à la question, ça, il sent tout très grand bien-être. Et si c'est un problème, si ce n'est pas un problème chronique, donc une maladie chronique, une maladie infectieuse, donc, il y a un résultat dès la première séance. Très bien. Ok? Mais quand on a une maladie, par exemple, automatique, on a un accident, qui n'a pas de genou, etc., genou enflé, on va travailler sur le genou, on va avoir besoin de faire 3 ou 4 séances. Mais quand quelqu'un a une maladie chronique, paralysie, ou bon, bah, sérieux, cancer, même le monde qui travaille, sous cancer, quand le cancer a disparu totalement. Mais là, ça a besoin de faire une séance de 31 jours de Reiki chaque jour. Donc, on va prendre au traitement médical. Intensif, exact. Exact. Au traitement médical, il y a un antibiotique de dos pendant 15 jours, matin et soir. Très bien. Donc, cette séance de Reiki là, donc cette transmission, c'est le mot transmission, c'est très important.
cette transmission d'énergie, des fois, faut que vous faire et à rythme répété. Okay? Okay. Pour le moment, pas de grand problème dans les épaules. Qui était vraiment, vraiment contrarié. Je me presque pas capable de servir, même pour me peine. Donc, je me presque comprendre que je n'ai pas de peine encore. Et nous avons fait toute qualité de traitement, etc. Et finalement, c'est par le Reiki que je me joins au traitement final. Ok, naturellement, je suis orthopédiste, je suis toute qualité de bail, etc. Mais, je sais pas, par ma Christine, on a parlé de technique binaire. Oui. C'est un très bon résultat. Mais pour y avoir un travail énergétique, là, c'est lui qui vient compléter le travail des épaules-là. Tu peux même oublier que j'ai un problème dans les épaules. Très bien. Il y a deux autres problèmes que j'ai, qui sont des problèmes médicaux. Il y a deux ménisques dans le genou qui sont sortis. Et normalement, c'est opération pour faire au laser. Ou comme ça, je me dis, bon, j'ai peur à faire opération, mais ce n'est pas peur. Non, je me dis, mais comment vont vos connaissances? Dans tes sens. Dans tes sens, ça me fait. Okay? Okay. Donc, je me dis, dans 15 jours, testé lui, et après 15 jours vraiment, je vais recommencer à marcher normalement. Et je vais remarquer après un mois que mes muscles qui étaient sortis allaient disparaître, et même pas même moi, je vais retourner dans la place. Très bien. Et même par la mort, franchement, les synovies dans le coude là. Dans le coude, côté, et franchement, les synovies avaient guéri totalement sans opération. Okay. Donc, voilà des preuves qui montrent que il y a des résultats. Que vous gagnez, qui est concret, les résultats sérieux, mais tout le monde est capable de faire. Ce n'est pas parce que nous sommes magiciens, Jean-Montal et Abdiya. Non, c'est parce que nous apprenons à connecter aux énergies universelles qui sont des énergies intelligentes. Amen. Okay? Et puis qui viennent pour nous harmoniser avec ça et des forces vitales. Ok. Et Mounsa qui a pu recevoir, Philippe, très rapidement sur cette même question, est-ce que Mounsa a pris en session rééquilibré, doit se sentir très fatigué ou bien au contraire, il a senti énergisé du fait de l'énergie que vous recevez? Bon, et ça dépend de Mounsa. Okay? Le plus souvent, Mounsa a senti levé, il a senti très léger, etc. Ça dérive une ou deux fois que Mounsa a senti fatigué. Tu vois, parce que le temps libéré. En fait, tu vois, donc, mon tête est venu sentir fatigué, puis après, venu sentir bien. Tu vois? Ok, très bien. Donc, je crois que ça répond à la question. Et il y a plusieurs questions, Philippe, et il y a l'autre qui continue à venir toujours. On a parlé de se purifier. Quatrième question, troisième question de guerre. Exact. Et une fois qu'on a pratiqué Rekia, pour prendre un bar à refaire, donc, pour purifier ça, on va faire. Ou faire un nettoyage énergétique sur comment on pourra travailler sur l'IA. Donc, c'est déjà au travail de purification. Et le fait de transmettre cette énergie de guérison, l'énergie a passé à vous, à travers vous, et automatiquement, l'énergie s'est purifiée pour tout. Donc, après ça, on travaille pour faire pour sceller l'énergie que vous recevez. Même toi, après, vous êtes capable de faire un reiki de nettoyage sur ta tête facilement. Très bien. Même par le reiki que tu transmets, tu te purifies. Ok. La quatrième question, c'est aux esprits guinéens. D'abord, je m'a salué et humblement, je salue tout l'esprit guinéen qui est là avec moi, parce que je l'ai tout. Donc, là, je vais parler de maître. Ok, que nous faisons appel au maître ascensionné. Mais tout grand esprit guinéen qui a ascensionné, etc., ce sont des grands maîtres. Qui là, tout dans l'égrégore là. Donc, l'or va puiser dans l'égrégore là, nous puiser dans toute force. Ça, et je crois que je salue Vaudou à l'heure, parce que je dis que science Vaudou travaille avec les éléments, je travaille avec la terre, je travaille avec le feu, je travaille avec l'air et l'eau. Donc, ça veut dire que vous avez une connaissance ancestrale. De éléments qui composaient l'univers. Et c'est l'élément ça, et même au cinquième élément. Donc, on va dire que Reiki a assez la sortie, bon, comme il est très, très ancien, et c'est ancien, il y a une connaissance que Reiki a naturellement qui vient disparaître. Mais Mikao Sou, il vient remettre
dehors dans les années 1922. Okay. Donc, c'est ça qui devient un travail important que vient faire et il vient transmettre lui à plusieurs disciples. Il était tenu que, contrairement aux traditions japonaises, côté Mdado, que Foba a arrêté dans la famille et de profiter de l'isolement. Non, M. Mbin dit que Foba a arrêté ça, a répondu à tout le monde. Et c'est Mme Takata lui-même qui vient partir dans le monde occidental et qui vient transmettre aux États-Unis et en France, etc., qui fait que qu'on est arrivé juste sur nous, juste moi ici. Donc, on croit que ce bagage qui est normalement que nous devons étudier l'école, parce que même gens, il y a plus de bagages pour étudier l'école, tout, c'est apprendre à manger bien, ok? C'est pas apprendre qu'il y a des cuillères, non, mais apprendre tout ça, manger, ok? Parce que bon, on va manger n'importe comment, parce que ouais, après ça, arrivé là, l'expérience qu'on a vécue dans le confinement, dans le COVID là, on croit que il y a pile façon que la ville que nous va supposer changer. Oui, mon yo a prend conscience peut-être, il y a plus de conscientisation sur les gens la ville, les gens que n'a vivre en communauté, oui, les gens la ville entre nous, les rapports humains. OK, comment maintenant et apprendre à respecter l'autre, apprendre à apprendre de l'autre aussi, parce que nous nous en pris bah pour apprendre pour l'autre monde, même nos bagages. Okay, pour apprendre. Donc, cultiver la gratitude, on dit merci pour ça, bon Dieu, Baou. Ok, pour vivre que Baou, et même des malheurs qui vont des fois capables et utiles dans la vie pour plus devant. Donc, malgré ça qui vont là, il faut toujours bien gratitude ça. Donc, c'est une partie précieuse. Donc, ma première question toujours. Alors, ou bien l'autre question toujours dans mon ou bien c'était dernier? Parce que nous avons l'autre encore. Vous avez dit qu'on a l'autre question. Oui, il y a l'autre là. Et il y en a, bah, il m'a dit là, c'est combien de temps peut durer une session? Mm-hmm. Et il y a quelqu'un qui dit qu'après la pandémie, ça, si vous voulez initier dans le Reiki, qui ça peut faire pour ça? Et côté gain adresse pour faire ça en Haïti? Ok, attends, qu'est-ce qu'on dit encore? Si après pandémie, ça, si on monte à vle pratiquer ou bien initier dans le Reiki, qui ça le doit faire et qui côté le capable faire ça en Haïti? Pour le vin initier, pour le vin, enfin, pour le vin pratiquer, offrir service de Reiki, je suppose. Oui, bien sûr. Bon, l'autre monde qui m'a dit comment faire, comment on peut faire pour reconnaître que maître Reiki, son vrai maître Reiki que lié. C'est ça, parfait. Ensuite, moi, Elisabeth Rampi, etc. Mm-hmm. Et puis, il y a un frère qui dit, est-ce qu'on songe que ou te font travail pour lui sur un lit discal? Justement, c'est de lui que je vais parler là comme exemple. Et lui, son docteur. Et c'est là que nous allons parler de Reiki à distance. Très bien. Je suis arrivé à Miami au soir. Et je suis arrivé à pour moi de qui j'en ai. Il dit, ah, moi, je suis malade, je me sens trop bien. Et puis, je me dis, ça, je me dis, bon, je suis douleur dans le dos, je ne peux pas marcher. Donc, je me dis, bon, et on aime faire une maîtrise de Reiki. Et lui, je me dis, qui est Reiki, je m'expliquer. Donc, même Michel Frémé, son docteur, qui a dit, d'ailleurs, depuis qu'il était très jeune, qui était toujours ouvert à la connaissance. Bon, donc, c'était toujours modèle, moi, parce que son mec était beaucoup plus une connaissance universelle. Et puis, automatiquement, quand je me dis qui s'arrête qui aille, monsieur comprend tout de suite. Et puis, monsieur, bon, je ne suis pas venu à la Caronie, même je vais essayer de faire Reiki à distance. Pour. Parce qu'à partir du deuxième degré de Reiki, c'est ça qu'on apprend. Parce qu'on vient apprendre le symbole, et le symbole permet justement de faire Reiki à distance. Ça. Et puis. Je dis, mais qui va faire à distance jusqu'au tourier là? Je dis, monsieur, même je ne parle pas là avec mon petit boîte là qui est dans l'oreille. Ok? Mon petit boîte ça, ou bien on n'a pas parlé ensemble ou tandis, n'est-ce pas? Donc, le gars entend dire celle-là, là, quand vous voyez vibration. Oui, vibration. Son onde, exact. Onde qui passe au par où elle est, pourtant, ou t'as des voix, mon nom, t'as des musiques, ou t'as des trucs bagarres dans le téléphone, la même image ou recevoir. Oui. Donc, ça veut dire que. Énergie, ça, c'est toujours existé naturellement.
avant même que les hommes les découvrent. Ok, la théorie de la gravité, c'est bon, mon inventé, il était déjà là. Je découvre, il explique. Expliquez-lui, mais elle était déjà là. Donc, c'est des forces qu'il a autour de nous dans la nature. Maintenant, le maître écrit apprend à canaliser ces énergies. Okay? Et les symboles qui sont maintenant des véhicules nous permettent de véhiculer ces énergies. Et puis, à distance, on fait le client. Et puis, une étape, je vais réveiller les frères Michel. Michel qui voyait, il me dit, bon, je me sens mon petit genre plus calme, etc. Donc là, je vais dormir et merci beaucoup. Bah, ça me dit, mon cher, bah, par contre, je vais dire que moi, ouais, au bagage. Et moi, ouais, au bagage, que je suis capable même dessiner pour vous parce que vous avez une vision. Ça, c'est l'autre dimension dans l'écrit. Okay? Intuition. Hyper perception dans le réki, mais ça, c'est l'autre niveau que lié que même maître qui n'est pas gagné. Mm-hmm. Ça, c'est de l'autre niveau qu'on peut atteindre pour tout, par la pratique ou bien par le don au gagné. L'ouverture. L'aptitude de spirituel au gagné pour développer cette aptitude. Sinon, on me dit que c'est un mec qui s'en mouait. Il dit, ma bine, ouais, demain matin, ma forte équipe pour vous, pour venir pour web bien sa vie. Effectivement, ma voix là, quand elle dit, il tape ma charge au bâton. Il me dit, bon, on va être couché, ma force séance réclée pour. Après séance réclée, il s'est levé, il marchait. Okay? Et puis il dit, ah, je me sens beaucoup mieux. Il me dit, mais qui sont tes senti? Je vais répondre à la deuxième question là. Il dit, moi, j'ai senti qu'en coup des compresses de coton chaud pour déposer sous comme. Et il fait me sentir très bien. Et là, je marchais plus bien. Donc, merci en pile. Donc, il était content. Et, donc, il y a un monsieur comme médecin, j'avais essayé d'analyser ce qui s'est passé. Je me suis posé faire lecture sur ça. Mais ce qui est important, je suis capable de dire, on lui dit, bon, de toute façon, je fais des dessins pour lui. Il dit, monsieur, montrez-moi un cas au chat anatomique, zone d'eau. Papa montre exactement, ça me dit, ouais, dans la séance qui est à distance. Il me dit, monsieur, bon, mais ça bien, c'est là. Ou en forme de grain de poids avec une sorte de tiracine, quand vous savez l'esprit plat, que moi enflammé tel côté. Je me dis, bon, très bien, bah, comme ça, mais de toute façon, de même, il faut un MRI. J'ai fait un MRI là. Mais à soi, M. Rélé, je me dis, Philippe, mon cher. Si dessin là? Au papier, sinon, parce que dessin correspond à un MRI là directement. Donc, c'est pour montrer que. Nous avons des connaissances que nous ignorons et nous connaissons, qui est disponible, qui a à notre portée, mais seulement que nous ne pas chercher pour prendre contact avec eux. Parce que, pour moi, je parle de l'esprit guinéen, je ne parle pas avec nous, mais tu as parlé avec nous, mais des fois, nous ne pas ouvrir pour nous entendre, ni pour nous comprendre. Donc, la vie, a pile. Pas dit, pas même le mystère, non. Il y a pile de connaissances qu'il a à disposition, non. De ces mystères, on ne connaît pas. Mais il y a des mystères tout parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas expliquer. Et dans des conversations, très souvent, on dit que le monde que nous y connaissons, ce n'est pas qu'on s'en paye à l'époque de l'homme du Cro-Magnon. Donc, il faut nous connaître que c'est lui qui avait évolué. Et dans 100 ans, dans 200 ans, c'est pas qu'on s'en a plus connu. Encore mieux, c'est ça. Et même si le téléphone n'a pas servi là, on comprend que c'est votre technologie, après, bien plus gros toujours. Oui. Ou bien plus petit toujours. Oui. Donc, ça veut dire que on a évolué dans le monde scientifique, mais tout plus science là a avancé. Donc, là, on va répéter une phrase que un physicien quantique te dit. Il dit que très peu de sciences nous éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences nous rapprochent de Dieu. Ça veut dire qu'on peut arriver dans limite de physique quantique, là, par exemple, pour arriver devant le mur de Kant, on n'est pas capable plus loin, au point de vue mental, au point de vue calcul mathématique. Donc maintenant, c'est l'intuition, voilà. Okay, qui va permettre tout. Et quand Einstein, par exemple, vient deviner une série de formules. De mathématiques ou bien de physique ou bien d'astrophysique, tu vois. Donc et c'est peut-être ça que j'apprenais au réveil sur science intuitive de guérison. Exact.
Parce que maintenant, le maître est requis. On me demande comment savoir que quelqu'un est un vrai maître. On est un vrai maître quand on est initié par un maître. OK? Donc, et on pourrait que maître qui n'a pas un maître requis, si l'initiation n'a pas qu'à besoin. Vous comprenez? Donc, si tout le monde vend une machine, la machine n'a pas qu'à starter. Ça veut dire que c'est bon pour la machine, mais non, non, nous sommes mauvais dire la machine. Tu comprends? Donc, ça veut dire que quelqu'un maintenant qui te transmet une connaissance de Reiki, d'ailleurs, tu ne vas pas prendre, au séminaire Reiki si ou pas renseigner au sommet Reiki, ça va faire le séminaire là. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, nous pouvons rencontrer des gens qui disent que le sommet Reiki, et puis nous n'avons pas qu'on dessine au symbole. Tu vois? Donc, moi, tu vois que il n'y a pas même au bon deuxième degré. Un problème. OK? Donc, il faut être capable de juger par vous-même avant. Et ça, discernement, ça, c'est pas seulement pour Reiki. OK? Même dans science yoga, c'est moi qu'on y a avec les réseaux sociaux, il y a parlé de toute qualité yoga. OK? Moi, c'est tout qu'on a parlé de Kundalini yoga. Mais c'est des sciences qui sont extrêmement sérieuses. Oui. Donc, on ne peut pas parler de chaque type de yoga si le maître de yoga n'est pas un initié en chaque type de yoga. Par contre, 15 gens qui ont fait chaque type de yoga. Tu vois? Donc, et dans le yoga, il y a plusieurs aspects dans la connaissance yoga. Il y a une connaissance intellectuelle, il y a une connaissance dévotion, il y a ce qu'on appelle le karma yoga, qui est le yoga de l'action. Donc, ça dépend de qui tendance yogi a gagné. C'est le sens libéral, bon enseignement d'après tendance qui gagne. Mais le vrai yoga, le Raja yoga, maintenant, c'est l'ensemble de toutes ces connaissances. Okay. Donc, moi, je crois que pour vous connaître. Nous bienvenue, c'est Philippe Membral. Nous allons obliger les marchés, nous ne pouvons pas répondre à toutes questions, parce que moi, que question continue à venir. Vous avez choisi une dernière question. Il y a des gens qui m'ont dit où s'initier. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui sont intéressés. En Haïti, oui. Donc, il faut me dire qu'il y a plus d'une centaine de gens qui ont été initiés par Ishaya et ensuite. C'est bon monde là tout à l'heure qui dit ça. Oui, m'parle tout du ça, oui. C'est pas vraiment question. M'pa konn sou te weli, gon monde sou qui te met ton commentaire qui dit que et c'est madame Elisabeth Rampi-Wellet, nous sommes oui. Rencontrés au cours d'un Reiki justement et qu'elle est maître Reiki maintenant. Elle est maître Reiki. Donc ça veut dire que maintenant elle peut ouvrir sa clinique ou bien elle peut faire partie d'un groupe côté qu'on y a nous parle bail des séances de méditation et des séminaires de formation et d'initiation. Donc actuellement avec le confinement il est pas possible, même on dirait confinement vient créer un intérêt brusquement pour les séances spirituelles, parce que on dirait c'est chaque semaine, chaque jour que les monde Gabriel, alors qu'avant pas de gens aucune conférence sur bagarre comme ça avant, plus qu'un bagarre personnel que nous partager avec d'autres amis et monde qui est intéressé dans la Reiki. Donc, pour nos bonnes nouvelles, c'est que bientôt, nous serons capables de faire des séminaires de Reiki. Et moi-même, pour mes étudiants et nature, que dès que nous recommençons, et tout au début, nous avons commencé à parler d'enracinement, etc. Et parce que moi, je crois que pour les étudiants, c'est très intéressant d'apprendre cette science qui permet justement de maîtriser le stress, de maîtriser la peur de l'incertain, etc. Maladie. Exactement. Donc, pour nous, et moi, je crois que c'est une science qui est très bon pour les universités, donc pour les familles que nous pratiquons qui entre nous, et qu'on soit capable d'aider l'autre. C'est tout ça me capable de dire pour conclure là. Merci. Eh bien, non, mais Philippe, enfin, nous fermons avec l'auditeur. Je t'aimerais que, est-ce que tu voulais partager avec nous deux petites techniques de auto-reiki que nous t'as fait peut-être pas nous, quand nous avons tendance à stresser en majorité ces jours-ci avec okay. Tout ça qui a passé. Donc, je voulais choisir, même t'aimerais qu'au moins, bah, nous deux petites techniques. Que chaque monde qui a appliqué peut-être pas. Premièrement, je suis capable de dire que nous arrivons à la caille, non? OK? Et avant de faire quoi que ce soit, bon, dans la toilette, nous baignons, etc.
Donc, et puis après, avant même que nous fassions le bagabat, c'est pour 10 minutes. Nous avons fait avant de dormir tout, mais avant qu'on fasse l'autre activité dans la carrière, vous couchez dans la position ça, vous mettez deux mains sur ça. Vous mettez un point ça, un point ça. Vous couvrez avec deux mains. OK? Donc, et puis, j'en te dis nous, qu'on y a, nous parlons, nous fermer les yeux, nous parlons guider nous, c'est que on va l'apprendre enraciner. Là, c'est bon, c'est un petit début de première méthode d'initiation que m'a montré, non? Enraciner, c'est que qu'on y a, on prend conscience de jambon, de pied haut, et sentir qu'on a une racine qui poussait juste dans le fond de terre. Racine de rentrer juste au fond de la terre. En inspirant, sentir que l'énergie terre a monté sous forme de lumière dans les jambes. Inspirer la lumière. Sentir que l'élevé dans le niveau bassin. Non? Et qu'on y a chakra bassin pour l'humain comme le soleil. La montée plus haut qu'on est dans le niveau pubis là. Côté où on a l'autre chakra qui va allumer quand on a le soleil et tout. Énergie à monter, inspirer, savoir inspirer, sentir la montée plus plus. Visualiser, ça met les lumières là, quand vous avez des particules de lumière, quand vous paquet de solution, vous avez par milliards. Parce que là, c'est très abondant. Il y a l'arrivée au niveau du plexus solaire, dans le niveau ombilique nous. Et c'est là qu'on y a l'arrivée à gérer tout ça que les, qui est responsable digestion, foie, rein, etc. Tout organe, c'est chakra ça qui gère tout. Il y a l'arrivée au niveau du cœur. Et là, la brite est là. Et chakra cœur, on y a pour l'ouvrir, ouvrir comme pour le soleil vert. Inspirer lumière là. Visualiser le soleil, ça, qu'on y a qu'à voyer énergie dans toutes cellules au corps. Parce qu'il y a des milliards de cellules, ces petites nouillées, qu'on y a besoin de sentir que mon maman, que mon papa, que c'est nous-mêmes, qu'à bailler outil amour. Parce que pendant la journée, nous sommes au travail, nous pas occupés, nous servons à pied pour marcher, nous servons à dehors pour chita, nous servons à tête pour réfléchir, mais on ne peut pas penser que. Toutes ces lusages, c'est eux qui ont besoin de la vie. Et c'est eux-mêmes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner en harmonie. Donc, on y est, nous n'en avons pas que. Maintenant, pensez au-dessus de la tête. Pensez qu'au-dessus de la tête, nous avons une sorte d'entonnoir qui va recevoir l'énergie cosmique là et qui va descendre dans. Tube de cristal qui est le long de la colonne vertébrale. Et sentez que l'énergie du soleil qu'on y a descend sous forme de particules de lumière en inspirant, mais toujours sur respiration, inspirez la lumière avec le sourire et expirez la lumière. Quand la lumière descend, passe par le troisième œil, passe au niveau de la gorge. Détendez la gorge, parce que c'est là que nous avons tout stress, c'est-à-dire que ça a une gorge serrée, le nœud dans la gorge, dénouez le nœud, quittez l'ouverture chakra ça très ouvert pour que la lumière descende, ou descendre au niveau cœur, pour que nous ayons toute l'énergie pour le contrer. Et c'est à partir de là qu'on y a, que nous avons mentalement voyé dans la mer, c'est quand vous tuyez que vous ouvrez, vous mettez nous sur l'arrosoir, vous connaissez les deux arrosoirs qui posent entre deux épaules. Nous, qui pour une énergie à coller dans le corps qui est en bas de la véhicule. Pour une énergie à circuler dans tout le corps, parce que vous avez 100 circuler dans le corps, l'énergie à circuler dans le corps. Vous voyez ce sourire ça, qui fait nous paraître belle dans la pluie. Voyez ce sourire ça va toutes cellules dans corps nous va toutes cellules pensées nous bail connu au break j'ai dit
lumière, permettre l'énergie à nettoyer. Alors, inspirer lumière, en expirant, ce balayage d'énergie négative qu'on fait dans tout corps, dans toute pensée. Lumière, ne pas penser à rien dehors encore. Penser à qui ils ont connecté à l'énergie universelle. C'est le moment tout pour remercier pour toute abondance vitale que nous gagnons encore nous. Que tout ça nous gagne, qui est positif, que bon Dieu ban nous. Et même s'il y a un problème qui peut résoudre, on y a, mais remettre la énergie universelle là tout. Parce que vous êtes capable de libérer le cœur nous de tout poids que nous tenons sous lui, de toute douleur que nous tenons sous lui, pour nous capable de remettre la énergie universelle. Inspirez profondément la lumière et en expirant, rejetez tout ce qui est négatif, tout ce qui est négatif, lâchez corps. Et restez tranquille pour nous imaginer coucher au bord d'un petit ruisseau qui a coulé de l'eau, ou bien au bord de la mer, ou bien au bord en montagne. Sentir que l'eau a coulé à côté du corps, a coulé dans le corps, et qu'il a porté seulement pensée positive, pensée de guérison pour douleur dans le corps, pour douleur dans la tête, pour stress là. Lâchez stress là. Abandonnez-nous à force là. Éliminez sensation de peur là. Pour nous remplacer par la confiance, la gratitude. La gratitude là va aider nous effacer en pile dans toute bagarre négative ça. Donc pour ne pas dormir net, une inspiration profonde, mettre bouger droit nous pour capable tourner dans corps tranquillement bouger droit pied orteil tout et puis on peut que n'a réveillé à coup d'un sourire hein regardez Béatrice hein regardez donc merci Philippe. c'était supérieur extraordinaire donc tu vois c'est enracinement qui est tout clair oui et bien enraciné. Et même, par exemple, au niveau du travail, on parle de rendez-vous, on parle de recevoir le monde, on parle de gérer un problème au niveau du travail. Non? Et bien, apprendre à enraciner d'abord, et puis qu'on y a pour affronter le problème, non? Mais d'une manière spirituelle. Et poser, exact. Il y a un challenge que je vais lancer pour cet animal-là. Pour les prochains 7 jours au moins. Hein? Pour les prochains 7 jours au moins. Oui. Oui. Pas pour, non, même pour les restes des jours à venir. Parce que maintenant, bon, encore mieux. Regardez, si chaque monde qui écoute l'émission, ça fait challenge pour les restes des jours à venir. Regardez, non seulement on a changé de tête, nous, mais avant un an, Haïti a changé sous nous. Nous ne pouvons pas comprendre ça qui fait. Tellement on a travaillé sous tête. Nous. Bon, mais c'est pour ça que nous avons dit que nous avons demandé tout pour nous faire un effort. Pour suspendre forward ou bien faire suivre les images négatives. Parce que nous tous recevons chaque jour les réseaux sociaux. Ça me contente, ça en pile. Mon cher. Où est-ce que vous avez aidé? Pour les gens qui mourent, qui prennent balle, etc., pour savoir la paix des circuits et tout côté comme ça. On n'est pas fait suivre. Parce que ces images négatives que nous avons. La fourre dans le mental monde, ça veut dire que c'est mental pays à tout, parce que le mental pays a ses sommes de mental tout le monde. Oui. Plus on a fini avec information négative, on a tout le virus. Exact. On a multiplié. On véhiculer image positive. On véhiculer idée pour nous faire protection de culture, pour nous faire protection de patrimoine. Magnifique. Protection de la propriété privée, protection de timon. Protection de l'éducation. C'est-à-dire qu'on commence à penser aux autres gens. Donc, d'abord, gérer les réseaux sociaux, ce sont des belles outils liés
y a une bonne nouvelle là-dedans, il y a un bon bon exemple. Il y a un bon exemple là-dedans, il y a pile de bagages de formation pour étudiants. On servir avec ça qui est bon et on partager ça qui est bon. On suspend avec l'image négative. Ça. Très bien. Semaine prochaine, enfin, nous commençons vraiment de nous combien de monde qui t'a respecté et fait challenge là. Oui, effectivement. Donc, c'est un très bon point, Philippe, parce que je me dis que il y a un aspect très important que un peu de monde oublie, c'est que très souvent, là, vous voulez un bagage, vous concentrez sur ça, vous ne voulez pas plus que ça, vous voulez. Donc, très souvent, là, vous voulez que le pays ait changé, vous avez tendance concentrer sur ça ou pas voulez dans pays encore, donc c'est là ça ou véhiculer message négatif. Donc en fait, vous avez raison entièrement, si nous voulons plus de respect de propriété privée par exemple, il faut que l'on montre des exemples de propriété privée et non pas des exemples de problèmes. Donc nous d'accord avons entièrement, moi quoi que, alors je prends un exemple ça, mais que ce soit des questions de santé, que ce soit, moi quoi que nous avons un réflexe de forward, des bagailles qui négatifs et qui pas dans avantage rien. Donc son challenge très intéressant. On va regarder ouais est-ce que public là après le public nous après l'accueillir avec un pile positivité. Bable dit que pour nous ignorer problème parce que il y a des problèmes assez graves qui passent dans pays qui concernent tout le monde. Mais image négative des fois en pile fake news tout la amuser nous il faut ouais bah tout le monde pour ça. Et ben ça fatigue tout le monde. Donc, on y a un change d'attitude. En tout cas, merci un pile. Merci de ce côté-là avec nous, en soi, Philippe. On pense que tout le monde en plein. Un pile de roue. Merci que vous partagez toute connaissance avec nous. On a profité pour annoncer, inviter nous semaine prochaine. Alors, nous parlons une émission sur le rire et comment le rire aide nous à déstresser la stress-là. Et nous avons deux invités avec nous. Ça prend Gaël bien-aimé et puis Capo fini. Donc, nous allons faire une belle émission. Côté nous tous, nous allons passer une belle petite soirée pour nous relax, pour nous détendre. Nous. Donc, nous allons attendre tout le monde. Et toujours songer que c'est vous-même seul qui a changé tête. Personne ne peut faire ça pour vous. C'est vous qui pouvez faire pour vous. Et c'est pour ça, chaque jeudi soir, on a porté bonjour, information, pour qu'on joigne toutes qualités d'outils qui ont aidé dans le cheminement personnel, dans la croissance, et qui ont aidé à améliorer tête. Parce qu'une fois qu'on travaille sur, il y a un impact direct sur les gens qui vivent avec vous, sur la communauté et sur le pays. Donc, on a toujours fait tout ça capable pour nous porter toutes les informations, ça, et faire nous connaître tout si vous bagaille que nous t'aimer que sujet. Nous sujet que nous t'aimer que nous porter sur plateau en pour nous. Donc, Philippe, le mot de la fin. Je m'approfite de dire merci et m'a féliciter nous Béatrice et Gilbert pour belle émission ça n'a connecté là. Et je crois que de plus en plus il y a des bagages positifs qui a développé dans le pays pendant le confinement. Donc on a découvert des outils comme Zoom, comme webinaire et que il n'y a pas de limite encore tout pays prêt. En effet. Donc, nous avons un gros merci, Philippe. Et nous avons demandé pour la même occasion, si jamais il y a un monde qui a remis pour un contact avec vous, je ne sais pas qui a commencé la session et pour la formation. Qui est bon, Jean? Est-ce que c'est sur Facebook pour avoir un message pour vous? Est-ce que... Oui, Facebook là, a qui bon parce que, comme les publics et puis en même temps les publics qui privent tout. Très donc, bien. Passons le programme séminaire, nous allons annoncer sur les réseaux sociaux. Très bien. Et puis, je remercie tout le monde qui est monté sur le site, moi qui a suivi, qui a posé des questions. Je me dis tout merci. Merci d'avoir participé. Eh bien, voilà. Philippe, je suis ouvert à cela. Si il y a des gens qui n'ont pas de gain pour poser des questions, est-ce que vous avez posé yo sur Facebook? Est-ce que vous ouvert à ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Bien, très bien. Eh bien, merci tout le monde et bonne soirée. N'a profité de l'amour à lumière. N'a profité dit que si jamais nous besoin quoi que ce soit de Béatrice ou bien de moi-même, pas hésiter sur page Facebook nous connecter ou bien sur page Facebook Mind Valley Haiti Community nous mettre poser question et Béa avec moi nous toujours là pour ça et semaine prochaine n'attendons nous même le 7h30 jeudi pour une session de thérapie du rire, ok? Donc, nous parlons bien grand dans nous avec Kako et Gaël. C'est ça. Un grand merci. Bonne soirée, bonne soirée à tous. Merci bonne encore, soirée. Philippe.
OK, on est okay. Plus live maintenant. On est plus live. Donc, Philippe, un grand merci encore. Ah, Philippe a déconnecté. Et au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.